J'ai promis à Inami de m'occuper de tous les problèmes. Aide-moi, sinon il va encore dire que je suis pas de colle. Je la comprends, cet endroit est vraiment étrange. Il en a de drôles d'idées, Karas. Pourquoi il t'envoie chercher une simple fleur sur cette île ? Parce que ce n'est pas une simple fleur et parce qu'elle pousse sur les îles. J'ai pensé qu'à nous tous, on la trouverait plus vite. Tu avais surtout envie qu'on t'accompagne pour te protéger. Je n'ai pas besoin qu'on me protège. C'est vrai, ce n'est pas parce que j'ai peur de l'eau que... Hé, attention ! C'est vrai que tu n'as pas besoin qu'on te protège. T'as même plus peur de te baigner. Qu'on nous observe. Si ça se trouve, ce n'est pas une impression. On ne restera pas longtemps. Dès qu'on trouve une couroucou, on lève le camp. Normalement, elle pousse dans un endroit frais et humide. Et à quoi elle sert? La fleur de couroucou, elle est très utile comme désinfectant. Chut! Écoutez. Oh. Ah. Et Tatoune, fais attention. Non, rien, j'avais cru. Hé, hey, ça va pas? C'est pas moi. À l'abri, vite. Eh ben, quel accueil. Tatoune a l'air d'aimer ça, elle. Il doit bien y avoir un moyen de ramener la fleur de Karas sans ramener de boss. Essayons au moins de savoir qui nous attaque. Et si c'était une autre tribu? Des cannibales! Il y a un moyen de le savoir. De tête et une bosse sur le front. Elle a reçu une noix de coco. On ne peut pas rester ici. Ces singes ne vont pas nous lâcher et... Des singes? Des singes araignées? Toute une colonie. Il y a pire, ils obéissent à un chef. Un singe énorme et surtout hyper intelligent. C'est bizarre. Regardez, c'est avec ça qu'il m'a attaqué. Aucun singe n'est capable de construire un truc pareil. Si c'est pas un signe, c'est quoi? Un mauvais esprit? Moi, j'aime pas ça du tout. Allez, on s'en va. Tant pis pour la fleur. Karas comprendra. Oh ! Les pirogues ! Ça a l'air des singes qui volent des pirogues ! Tu y comprends quelque chose, toi ? Ils veulent nous empêcher de partir ou quoi ? C'est peut-être cette chose que tu as vue. Comment savoir ? Preuve de plus qu'il faut partir et vite. On va construire un radeau. Tant pis pour nos pirogues.
Je vais vous aider. Avec le coup que tu as pris sur le crâne, tu dois rester tranquille. Je suis tout à fait capable de... Oh. Ya Emma, écoute donc le grand chaman, s'il te plaît. Tu es sûre que tu as vu quelque chose, Tatoun? Ton mal de tête, ça s'arrange? Faudra que t'ailles voir ton chaman en rentrant alors. Bah, on t'a demandé de venir à toi? C'est d'un docteur qu'on a besoin. Pas d'un tout petit ouistiti comme toi. Allez, pssst, fiche le camp. Rentre chez toi. Bon, ça suffit maintenant. Allez, fiche le camp, je t'ai dit. T'es pas beau, t'es moche, t'es affreux et puis tu sens mauvais. Va te cacher. Disparais. Tu comprends pas ce que je te dis? Débarrasse-moi la plage. Allez, oust. Tu as déjà vu un singe aussi? Derrière toi. Amina, sauve-toi. Là. Quoi? La fleur de Kourouku. La fleur que recherche Karas. Là, on l'a trouvée. Quoi? Tout ça pour cette fleur minuscule? Vite! Aminata! Ya Emma! C'est pas possible! Oh! Là-haut! Aminata! Ya Emma! Ya Emma! Ils sont là-bas! Allons-y! D'emmener Aminata et Yaema où ils veulent. Pas un singe. Non mais dites donc, c'est quoi alors si c'est pas un singe? Et toi, en voilà des manières, je suis la fille du chef bébé Lagay. Ça va, faut pas vous énerver. Je n'aurais jamais dû les laisser seuls. Ça n'aurait rien changé. Notre ennemi voulait les capturer. Eh ben, on fera pareil avec lui. Oui, mais es-tu capable au moins d'attraper un singe? Juste un petit, hein? Ah, ça sans problème. Si j'en tenais un, lâche tout le... Sans lui faire de mal, Inami, sans lui faire de mal, d'accord? Fini, Chimiwe? C'est quasi terminé. Parfait. On va le piéger.
es-tu? Mais qu'est-ce que tu veux? Une autre fois, le cochon pendu. Là, j'ai trop mal à la tête. Mais tu veux soigner ma blessure? Me soulager? Je t'en remercie. Ça, c'est non! Garde tes distances! T'es sûr que c'est un cri de douleur extrême, ça? Non, c'est celui du caïman enrhumé. Prie plutôt pour que notre ennemi se comporte bien avec ses singes, comme un papa poule. Bon, bah, pendant que vous rigolez, je vais me mettre en embuscade. Ah!
un jeune garçon. Alors il sait parler. Tu vas me dire ce que tu as fait de Yaema et Aminata. Oh, attends, regarde. On dirait vraiment un singe. Et qu'est-ce qu'il fait tout seul dans la forêt? Pourquoi il vit avec des singes? Il te dira ça après. S'il sait parler. Et ça, c'est pas sûr. Hein? Aminata! Aminata! Minami! Et Yaema? Je sais pas, on a été séparés. Oh. Attends, j'ai une idée. Tatoune, suis-le sans te faire voir. Tranquille. Oh, le pauvre. Le pauvre? Il t'a kidnappé, je te signale. Il m'a sauvée aussi. Cette fois, tu restes tranquille. Sinon, je ne pourrai pas te soigner, hein? Chut, n'aie pas peur. On ne te veut aucun mal. Quand même, c'est bizarre de vivre tout seul avec des singes. Il s'est sûrement perdu quand il était bébé. Et il a été élevé par les singes araignées. Caras a déjà raconté des histoires comme ça. Si ça se trouve, c'est la première fois qu'il voit des humains. En tout cas, c'est comme s'il n'avait jamais vu de fille. Pas vrai? Ah, et il a l'air d'aimer ça, hein? Inami. C'est ingénieux ce système, mais c'est pas évident à faire fonctionner. Oh. Ça serait génial si tu m'apprenais. Allez, vas-y. Waouh! C'est pas encore ça, mais avec ce que tu m'as montré, je crois que je vais y arriver, c'est sûr. Est-ce que tu comprends au moins qu'on s'en va? Je crois que oui. Et si on lui apprenait à nager? Peut-être qu'il pourrait quitter son île s'il a envie et nous rendre visite même. Super idée. Oui. Comme ça, nous aussi, on lui aura appris quelque chose. Youhou! Oui, bravo! Pour commencer, on va t'apprendre à faire la planche. C'est très utile. Tatoune, montre-lui. Non, n'entrez pas dans l'eau! Non, il ne veut pas apprendre à nager à tout le monde! Quand lui, il saura, il vous montrera! Dis, vous écoutez quand je parle?